Le CIST Guadeloupe vous présente ETV Santé. Bonjour, aujourd'hui Santé Pays vous emmène dans l'univers de la médecine du travail, l'occasion de découvrir son histoire et son implication au sein des entreprises guadeloupéennes. Aujourd'hui, le docteur Dispagne nous fait l'honneur de nous recevoir. C'est parti, on y va. Bonjour docteur, merci de nous recevoir. Aujourd'hui, quel est le rôle d'un médecin au sein de la médecine du travail? Le rôle de du médecin du travail dans un centre de santé au travail, c'est d'éviter toute altération de la santé du salarié du fait du travail. Auparavant, la médecine du travail n'était pratiquée quasiment que par les médecins du travail. Actuellement, autour du médecin du travail se trouve une équipe. Le médecin est coordinateur de l'équipe, mais il y a ce qu'on appelle une équipe pluridisciplinaire. Nous avons donc associé à nous des psychologues du travail, des assistantes sociales, des ingénieurs chimistes et toxicologues pour pouvoir aller dans l'entreprise, vérifier le risque chimique, étudier le risque chimique, analyser le risque chimique, donner des éléments pour justement que le salarié soit de moins en moins exposé aux problèmes chimiques, par exemple les cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Essayer de voir si les produits utilisés qui sont cancérogènes peuvent être remplacés par d'autres produits, ce qui n'est pas toujours simple, puisque certains produits sont indispensables et on ne peut pas systématiquement les changer. À côté de ça, il y a des personnes qui vont faire de la métrologie, c'est-à-dire des mesures de bruit, des mesures de lumière, des mesures de température, des mesures de vibration. On fait au CIST des mesures de vibration corps entier, par exemple pour les conducteurs de chariots élévateurs, les conducteurs de poids lourds, quoi d'autre ? Les études de la manutention, avec une étude des gestes et postures au niveau du poste de travail, mais également pour regarder l'astreinte cardiaque lors de la manutention, c'est-à-dire qu'on enregistre la fréquence cardiaque pendant toute la durée du poste de travail, ce qui nous permet de vérifier si le travail n'est pas trop lourd en tant que charge cardiaque, mais également de vérifier s'il y a des périodes beaucoup plus importantes qui peuvent être améliorées. Il y a des espaces de travail, des moments de travail, la charge de travail est trop importante, et à ce moment-là, on peut proposer des améliorations à ce niveau-là. Vous l'aurez compris, la médecine du travail se charge de vous apporter toutes les recommandations afin de minimiser les risques en entreprise. Donc, Marius, maintenant tu m'excuseras, mais on est à la médecine du travail et je vais profiter pour faire ma propre visite. Par contre, si Monsieur Yamis veut passer sa visite, c'est tout à fait d'accord, mais Monsieur le caméraman devra sortir parce que le secret médical est absolu en médecine du travail pour le médecin, pour les infirmières et pour tout le personnel de la médecine du travail. ETV Santé vous a été présenté par le CIST Guadeloupe.